Bonjour et bienvenue, je suis Guéna, on va continuer Star Wars Battlefront 2, le DLC Résurrection, et on va le terminer. Apparemment, il reste un quart d'heure. Si je décède encore dans des phases de jeu qui ne sont absolument pas pensées pour être praticables par n'importe quel joueur, eh ben, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Est-ce que je suis très enjoué à l'idée de jouer à ce jeu? Pas trop. Mais je suis du genre à toujours finir mes jeux. Du coup, je peux pas laisser un truc comme ça, là. Sans connaître la fin. Sans avoir parcouru l'intégralité du jeu. Malgré que ce ne soit qu'un DLC. Étant donné que, au vu de l'histoire qui a été avancée jusqu'à présent, ce DLC aurait dû faire partie du jeu Day One. Et faire partie du jeu tout court, parce que c'est un DLC. Scandale. Ta gueule. Ta gueule. Lance un piratage, s'il te plaît. Ah, c'est juste pour la caméra. Mais je m'en fous de la caméra. Oui, il y avait peut-être. Bah, le bruitage. En fait, le jeu est tout pété. Oui, parce que vous voyez, les armes n'apparaissent pas. Désolé. Les bruitages n'apparaissent. Porte pas de bruitage. Là, il n'y a pas de musique. Vous savez quoi? Pour vous retranscrire au mieux l'expérience de ce jeu, on va surtout rien faire pour améliorer tout ça. Je sais pas, quelque on va chose voir. De costaud, c'est ce qu'il nous faut. Coucou. Allô. Vous venez visiter ce pays merveilleux des portes qui ne font pas de bruit. Salut, on va le faire Cooper. Voilà. Ça, c'est de l'arme. Là, on est bien. Ah, tectonique. Bah voilà. Je fais de l'infiltration là par contre. Là je m'infiltre. Faites pas attention. Ouais moi aussi je tire à vue. Hein. La 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 la. Ah, non c'est l'autre côté. Non moi j'arrête jamais de tirer, m'en fous. Ah. Oula. Il n'y a plus rien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est lui qui a fait, je sais pas. Je me tire. Ouais, je me soigne. Waouh. Blindé de vie, là. Voilà qui est mieux. Ils sont combien? Quelque chose de précieux. Shriv, je crois qu'on a trouvé. J'arrive. Il ira de ça. Ça se trouve, la vidéo elle va faire 5 minutes et je me suis retrouvé. Je me retrouvais penaud. Attends, non, sérieux, ça va vraiment être la fin? Non, il va y avoir une phase de jeu. Du nouveau? Par ici. Projet Résurrection. Quoi? Une minute. Chinata, système Automoc. Le premier ordre enlève des enfants et les force à devenir des Stormtroopers. Leurs effectifs doivent dépasser. Je peux même pas imaginer. Essaye de trouver un manifeste. Ce sont... des vaisseaux amiraux. Assez pour reprendre le contrôle de toute la galaxie. Arrête. Qu'est-ce que c'est? C'est un cuirassé du premier ordre. Ça n'annonce rien de bon. En effet, la générale Organa m'a raconté quelques histoires. C'était surtout des rumeurs, mais ça faisait froid dans le dos. Faut trouver un point faible. Duo, c'est à toi. Télécharge tous les plans de ce vaisseau. Il faut les transmettre à Leia et à la Résistance. Tant que ce vaisseau sera dans l'hyperespace, on ne pourra pas aller bien loin. J'ai un plan pour ça. Trouvez un vaisseau et rapide de préférence. Quand le moment sera venu, vous saurez qu'il faut partir. Je déteste déjà cette idée. Bonne chance à toutes les deux.
quoi ton plan? On va arracher ce destroyer stellaire de l'hyperespace. Je commence à comprendre pourquoi Shreve est si nerveux quand t'es avec lui. Non, moi je vois pas. Bonjour. On peut appuyer sur les boutons. Toi, tu peux tellement rien contrôler que ces trucs. C'est juste des diodes. Bon, où allons-nous? Par là. Ça a l'air bien par là. Ça m'a l'air d'être la solution à tous nos problèmes. Ah. Sécurise la pièce. Oh. Coucou. Ah, ça y est, je suis nul. Donc, quoi que c'est pas nouveau. Hein. Ça va mieux. Ah, vous êtes trop proche. C'est bon. Ok, prenons un maximum de détonateurs. Plan commence à prendre tout son sens. Prends-en le plus possible. Pas besoin de me le dire deux fois. Bah tiens, on va prendre ça aussi. Ouais, mais je l'ai déjà, lui. Qu'est-ce qui... J'ai besoin d'en prendre, moi? Non, c'est bon. Moi, je sers à rien. Comment il a glissé. Est-ce qu'on a besoin de sortir la grosse batteuse? Peut-être pas tout de suite, non. Ça, c'est des caméras, on s'en fiche. Ouais, vas-y. S'il te plaît. On se prépare à sortir la grosse batteuse. Ouais, on va peut-être sortir la grosse batteuse. Descends-les. Ah. Y'a personne d'autre? Ah si. On peut pas courir, hein. Pas courir. Qu'est-ce qu'il dit? Putain, mais fais un effort, il est en face de toi. RAS. Eden, j'ai entendu des officiers discuter. La résistance a trouvé la base du premier ordre. Elle passe à l'attaque. Bonne nouvelle, Shreve. On a bientôt terminé, tenez-vous prêts. A tout de suite. Zay, si on installe des détonateurs sur ce générateur, le vaisseau passera de vitesse lumière à arrêt complet en une seconde. Ça m'a l'air dangereux. Qu'est-ce qu'on attend? Plaçons ces détonateurs sur ce générateur. Je m'en charge. Toi, tu... Ouais... Renfort ennemi en route. Oh merde... Je suis pas sûr... Le détonateur est en place. Dans une seconde. Pas certain d'être très... très OP pour ça. Ah oui. T'es touché, tu fais pas d'effort. Petit saut de cabri. J'aurais peut-être dû le laisser en vie parce que du coup ça empêcherait peut-être le spawn. Ça vient de là, non? Ah non, ça vient de là. C'est bien. C'est pas bien. Non mais non, non, mais t'as pas le droit, toi. Wouah. Non mais oh, oh, oh. Aïe. Des mecs là? Bon, y a lui en tout cas. Les détonateurs sont prêts. Ouais, j'ai presque fini. Presque fini, mais elle se fait attaquer donc. Non mais les autres là en haut, on va les laisser, ils sont bien. Encore? Non, faut que je les laisse. Quoique là, ils vont nous gêner. Hmm.
Mais si des coups de crosse, c'est bien. Ces esquives. Magnifique. Oh merde. Tu peux pas faire ça là? Ça c'est bien ça. J'ai besoin de temps. Ça avance? Tu travailles tout. Oulala, oulala. 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 Ouais, ouais. Bah, n'hésite pas. C'est bon. Chef, vous avez trouvé de quoi sortir d'ici? Ouais, mais je vous préviens, il n'y aura pas beaucoup de place. Tant que ça vole, ça me va. À tout de suite. Il ne reste plus que le générateur de secours. Il est sûrement protégé par une porte sécurisée. Je vais la pirater. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est ça, compte là-dessus. Mmh. Il va peut-être pas viser grand-chose comme ça. Encore des stormtroopers. C'est bon, il peut pas tirer à travers les... C'est un peu compliqué par ici. Non, toi. Ah si, un peu. Comment... Mais elle est partie où? Pourquoi elle s'est barrée? Oui, reste à l'intérieur. Voyons donc. Ah bah commence. Ah oui, si c'est un double verrouillage alors. Ça doit être de la haute technologie. Du jamais vu. Hmm. C'est quoi le F? Je sais pas. Au secours. Je sais pas ce que c'est que... Je vais mourir... J'ai besoin d'attirer mon temps. Ah, voilà qui est mieux. Ah, c'est ça l'œuf. Mais tu peux le désactiver, c'est parce que c'est de la grosse merde. Merci. Plaisir. On peut le genre mettre là. Ouais. Je suis pas certain de l'utilité, mais... Peut-être un peu, on verra. Il peut pas du tout tirer, non, c'est de la merde. Hein. C'est complètement de la merde, je crois. On va l'enlever, on va l'enlever. Je sais jamais où appuyer. Mais c'est pas fini là? Elle a pas dit que c'était fini? La pièce est sécurisée, mais pas pour longtemps. Ouais. Dio, pirate cet ordinateur et envoie les renforts ailleurs. Dio. Allez, on pose les dernières charges et on file vers la base de la résistance. Intrus détecté dans la zone des communications. Redirigez toutes nos défenses vers cette zone. Et on le laisse là, Dio. On abandonne Dio. La bouche en cul là. Bon, ok, on se tient. Non, attends, c'est. Si, si. Au revoir. Au revoir. Toutes les unités sont appelées en renfort dans la caserne à Tibor. Intrus détecté. Bye bye. D'accord. C'est bon. Tu veux bien nous faire.
faire l'honneur de placer la dernière charge? Avec plaisir. Ouais. Ensuite, on retrouve Shreve et on fiche le camp. Un rue perdu. Fouillez la plaque d'armement. Say, lâche-moi. Non! Voilà l'Eden que je connais. Intrépide, imprévisible. Sers-toi de ton arme. Allez, sers-toi de ton arme. Say, ça va aller. Devenir mère t'a rendu faible. Il est temps d'arrêter ce vaisseau. J'ai besoin d'aide. Non, arrête-moi, s'il te plaît. C'est trop tard. C'est trop tard. Écoute, tu dois amener Dio à la résistance. Tu as compris? Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça va bien se passer. Non, c'est faux. Maman, j'ai besoin de toi. Comment tu fais pour être aussi calme? J'ai peur. Échouer plus que de mourir. Mais je vois l'espoir en toi. Écoute. Écoute. On se bat pour que les autres puissent vivre. Et si on meurt, ça doit être pour la même raison. Tu comprends? Je t'aime, maman. J'aimerais que tu vois ce que je vois. Maman? Maman? Il n'y a que moi, Shreve. Elle est partie. Oh. Ça va aller. C'était pas vain. Avec elle, rien n'était vain. Contacte la résistance.
Dis-leur que ça ne fait que commencer. Le premier ordre continue sa marche. Mais nous avons l'espoir. Et c'est grâce à notre espoir que nous pourrons vaincre. Secteur dégagé, base de la résistance. Toujours aucun signe du premier ordre. Négatif, ici Shrif Surgav, code d'admission 7-3 Tau. Nous sommes des alliés, demandant la permission d'atterrir, s'il vous plaît, ne tirez pas. Permission refusée. J'ai dit s'il vous plaît. Attendez les instructions. Ça va aller, il faut juste qu'on leur explique ce qui se passe. Général Organa. Shrif, j'ai reçu votre message. Alors tu dois être Zei. Je suis navrée de ce qui est arrivé à ta mère. C'était une femme des plus compliquées, mais la galaxie entière lui est redevable. Merci, madame. C'est vraiment très aimable. On a un petit cadeau pour vous, général. Les plans complets du cuirassé du premier ordre. Je vous les transmets immédiatement. Je vais les envoyer au commandant Damron pour analyse sur le champ. Je suis prête à rejoindre le combat, général. Je n'en doute pas, mais la résistance est en train d'évacuer. Le premier ordre est déjà à nos trousses. Plutôt que les affronter, j'ai une mission urgente pour vous deux. Les alliés se trouvent dans la bordure extérieure, il faut absolument qu'une équipe les trouve. Je sais que vous êtes fatigués, que vous avez déjà combattu et que vous avez tellement perdu. Mais il faut que vous continuiez. Vous pouvez le faire. Comptez sur nous, général. Bonne chance, Escouade Inferno. Eh ben, c'est pas du Naughty Dogs, hein, pour ce qui est de faire ressentir des émotions dans des cinématiques. Ah putain, j'ai cru que je m'endormais. Ah, c'était très passionnant, je me suis vraiment senti impliqué dans les émotions des personnages, hein, dans l'histoire, tout ça. Non, vraiment, assez vraiment. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit? La médisance est présente, hein, depuis le début. Elle ne m'a jamais quitté, sur la voie, toujours avec moi. Non, mais je peux pas, hein. C'est dommage, parce que tu peux faire tellement de choses avec le jeu. Et en plus, le jeu essaie de faire un... C'est de lier... Comment on dit ? C'est de lier les films, les anciens films avec les nouveaux, là. c'est pas terrible. Ah oui, c'est vrai que le menu s'est pété. C'est que le menu, le jeu du menu, le menu du jeu, quoique on pourrait se demander... C'est vrai qu'il est pété, ça fait tout galérer. Bon, bah, je vais m'arrêter là. C'était le DLC. Je remets cette scène. Incompréhensible. Ah, mais je peux dépasser. Je peux aller jusque là. Et là, je peux pas aller jusque... Ridicule. C'est bien cadré, en plus. Non, mais... Hey, cette scène, elle était plus sympa que le jeu. Moi, je me suis plus amusé là. Non mais je pourrais pas rajouter quelque chose. De toute façon, j'ai dit ce que je pensais du jeu, le DLC à la effigie du jeu. Il est peut-être même encore moins intéressant. Voilà, mais le truc, c'est que ça aurait dû faire partie du jeu, très clairement. Ça aurait dû être un tout. Ce n'était pas le cas, et scandale. Voilà. Oui, voilà. Donc sur ce, adieu. Et j'ai hâte de faire un bon petit jeu, là. Genre Inside, peut-être, je ne sais pas encore. Parce que là, putain, oh non, quoi, hein. Vraiment, sur ce, adieu.